have a sing along. Who did you know that I'm a writer? Tonight we gonna set the streets on fire. All I need is a gas and a lighter. And we'll have one. Hey, salut YouTube, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un énorme gameplay. Il s'agit donc de ma première nucléaire sur Infinite Warfare. Donc c'est la nucléaire à 25 kills avec la 1v4. Donc c'est pas un énorme gameplay en soi. C'est vrai que je l'ai temporisé à mort. J'ai énormément de fails. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais vous pouvez voir tous les tweets que je pose. J'ai énormément de fails. Bref, on s'en fout, je l'ai. Enfin, j'ai temporisé mes 10-12 derniers kills, c'est vrai, mais je m'en fous, la nuque est là. Après, c'est vrai que maintenant, du coup, je vais essayer d'en faire une plus en rushant, mais voilà. Donc, je suis très content de vous poster ce gameplay. Donc, on va faire un petit sujet, là, il reste 1 minute 30 de commentaires, donc on va faire un petit sujet. Si tu n'as toujours pas fait de nucléaire, je vais essayer de t'aider à en réaliser une avec une best class. Donc la classe la plus simple pour réaliser la nucléaire et qui a l'accessoire nucléaire, c'est la 1v4. Donc pour la première manche, comme tu peux le voir, j'ai été équipé de viseur Hello, cross, chargeur 24 et gros calibre. Le dernier accessoire, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est un genre de gros calibre. Avec dextérité, fantôme et détermination. Donc oui, je joue avec fantôme comme tout le monde dans ce jeu, donc je ne vais pas me gêner. Il n'y a pas d'hater, donc il faut gérer ses déplacements, donc c'est très important. Et après, comme tu peux le voir dans la fin du gameplay, j'étais avec ma deuxième 1v4 avec viseur Hello, chargeur handicap, cross. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment de jouer avec ces classes et de gérer vraiment les déplacements. Après, comme d'habitude, drone de brouillage, ça c'est comme d'habitude, ça ne changera pas tout le long de la bêta. Donc aussi, je vous conseille de jouer avec mercenaires et avec chargé à bloc, ou je sais plus comment ça s'appelait, c'était pour avoir... Comme j'ai dit dans ma première vidéo, pour avoir beaucoup plus de balles. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si le gameplay t'a plu, si mon commentaire t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis bientôt aux 1000 abonnés. Je vais essayer de les atteindre avant la sortie d'Infinite Warfare. Donc je vais essayer de poster au moins 3-4 vidéos par semaine. Donc n'hésite pas aussi à me suivre sur Twitter, MikaW2A. Tout est dans la description. Je vous dis à la prochaine. Peace.